Plusieurs fois, c'est le match pour nous important, ce match en déplacement, c'est un match qui, même on peut dire que les Libyens aussi, qui sont toujours en déplacement, ils jouent jamais à domicile. On a tout fait pour bien préparer ce match, on travaille dans de très bonnes conditions, tous les joueurs sont en bonne santé, à part le gardien de but qui a au début des stages qui n'a pas travaillé régulièrement. Mais aujourd'hui, là, sa situation s'est améliorée, et sa blessure aussi. Donc, on va voir pour les 11 contre 1 au début du match, qu'est-ce que je vais faire. Quand on nous considère comme favoris, il faut se comporter comme favoris. Bon, nous, on a maximum des informations, on a supervisé, on regarde l'équipe libyenne, on a maximum, comment je veux dire, renseignements nécessaires pour savoir comment cette équipe évolue, comment elle joue au niveau des groupes. Et, quand j'ai dit deux tiers des joueurs nouveaux qui sont arrivés, et il y a Benali de Pascara, il y a deux joueurs aussi qui évoluent actuellement en Tunisie, Zavia, il y a Saltou, il y a des changements, grands changements au niveau des joueurs. Il y a beaucoup de locaux qui sont là, les joueurs locaux qui ont joué, qui étaient dans les groupes, qui ont gagné la chaîne. Il y a des changements. Certains qui sont restés, qui sont pas convoqués. Certains qui sont refusés à jouer aussi dans l'équipe. On va voir. La décision, on va prendre demain. Changement, il n'y a pas de changement. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et aussi, parce que la nouveauté, c'est Tuzga, qui est dans les groupes. Il n'était pas dans l'effectif qui a joué, c'est-à-dire dans les groupes qui a joué contre la Guinée. Sinon, tous les joueurs sont présents. Do it again.